Le Fouta Toro est une région du nord du Sénégal qui est à cheval entre la rive gauche du fleuve Sénégal qui s'étend de Dagana à Bakel. C'est cette région stratégique qui est le cadre de l'association Fouta Développement qui se veut un regroupement, une fédération des associations de la diaspora et des ressortissants du fleuve Sénégal. Pour en savoir plus, Financial Afrique a reçu dans son studio Sall Mamadou Bokar, secrétaire général de FoutaDev, invité spécial. Chers internautes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans les locaux de Financial Afrique Sall Mamadou Bokar, président de Fouta Développement. Qu'est-ce que c'est que Fouta Développement? Donc l'usine de Fouta Développement est venue de nos compatriotes qui sont aux États-Unis en 2010. Donc essayant de répertorier la diaspora au niveau de Mauritanie et du Sénégal pour essayer de créer une fédération des associations de la diaspora au niveau du Sénégal et de la Mauritanie en partenariat avec nos amis qui sont en Mauritanie et au Sénégal, ressortissants de la zone des fleuves, pour développer des projets structurants dans le domaine agricole, élevage, pêche, éducation, santé, électrification, forage, et autres domaines de développement afin de contribuer au développement de cette région, en même temps créer d'emplois locaux et puis lutter aussi contre l'exode rural et aussi tout ce qui est un peu l'immigration clandestine et contribuer donc à la lutte contre la pauvreté, les maladies chroniques, la mortalité infantile et tout ce qui est protection de l'environnement et la promotion de l'économie durable. Toutes les communes vertes et le financement vers l'émergence de l'approche genre, particulièrement avec les femmes, la gente féminine, pour développer donc tout ce qui est filière socio-économique du Sénégal et de la Mauritanie, en collaboration avec les agences gouvernementales du Sénégal et de la Mauritanie, parce qu'on ne peut pas travailler donc sans la connexion avec le gouvernement. Donc c'est pour cette raison donc nous avons donc fait une mission à Mauritanie au Sénégal cette semaine pour essayer de voir nos confrères au niveau des agences de développement du Sénégal et de la Mauritanie. En même temps aussi voir les bureaux qui sont installés au Sénégal, en Mauritanie, de FoutaDev. Alors concrètement, vous êtes aujourd'hui combien de membres? Combien aujourd'hui de sections ou d'associations de la région ont rejoint FoutaDevelopment? Comme j'ai dit tout à l'heure, donc nous sommes en connexion avec la diaspora sénégalaise et mauritanienne. Donc depuis le 19 décembre 2015, nous avons créé des sections. Donc une section, ce sont les ressortissants qui sont dans les pays, à savoir les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, le Canada, l'Allemagne, la Mauritanie, le Sénégal et le Maroc. Donc nous attelons donc à organiser ou à créer d'autres sections, à savoir l'Espagne, la Thaïlande, l'Italie, la Côte d'Ivoire, les deux Congo, le Gabon, le Burkina Faso et le Mali. Donc si on essaie de chiffrer ça, donc comme vous le savez, la diaspora elle est nombreuse, surtout aux États-Unis, en France et en Belgique. Donc nous estimons actuellement au niveau des adhésions environ dans les 7000 et 8000 adhérents, donc qui ont des intentions de cotisation et d'adhésion. Donc aussi donc depuis lors, donc nous avons fait beaucoup de émissions à la radio et à la télévision, donc de la diaspora. Je peux citer la radio RLA, radio Jewel, radio Matam, et puis on a fait pas mal de, et puis Radio Rendo, on a fait des émissions pour sensibiliser les gens à adhérer à ces mouvements de développement économique et donc de la sous-région. Et nous faisons aussi on a un site internet qui s'appelle www.foutadev.net dans lequel nous avons créé un compte bancaire à Londres, donc où avec PayPal, où les gens peuvent adhérer ou cotiser ou faire des dons à travers le site internet. Comment faire pour adhérer à Fouta Développement? Et ensuite, quand on cotise dans Fouta Développement, où va cet argent? L'adhésion est ouverte donc à toute personne désireuse de participer au développement intégré de la Mauritanie et du Sénégal. Sont originaires de la région? Non, pas tout à fait originaires, parce que nous avons aussi des coopérants qui ont travaillé en Mauritanie et au Sénégal, qui sont étrangers. Donc elle est ouverte à toute personne désireuse de participer au développement de la zone des fleuves, donc en particulier de Mauritanie et du Sénégal en général. Donc c'est pour cette raison qu'elle est ouverte aux adhésions des associations de villages et de villes et des ONG, des femmes, des pays bénéficiaires et celles de la diaspora. Donc pour adhérer, il faut passer par la section donc, du pays où on est résident. Par exemple, si je vous donne le cas de la Mauritanie, pour adhérer à la section Mauritanie,
il faut s'acquitter en tant que cadre supérieur de 1000 ougia pour les cadres moyens. 1000 ougia par an, une seule fois, mais on cotise en tant que cadre supérieur 8000 ougia par année. On peut cotiser toute l'année une seule fois, ou on le partage sur 3 mois ou 4 mois ou 6 mois. Maintenant, pour les associations des villes, des villages et des ONG, donc là, ils ont fait une adhésion de 5000 ougia et des cotisations de 10000 ougia par année. Donc, on a fait une particularité pour les associations des villages et des villes, parce qu'ils n'ont pas trop de moyens. Donc, nous avons fixé juste une adhésion de 30000 ougia et les associations ne cotisent pas, originaires de villages. Concernant maintenant les projets, donc pour la deuxième sous-question, c'est que nous, comme je dis tout à l'heure, c'est des projets de développement dans le domaine agricole, élevage, pêche, agriculture, tout ce qui est un peu tourisme rural, tout ce qui est un peu la religion, parce que nous comptons aussi réhabiliter les mosquées, réhabiliter un peu les écoles coraniques, en même temps aussi faire des dispensaires, faire des collèges, des lycées, faire aussi des centres de santé, faire des pharmacies en milieu rural, en même temps faire aussi des coopératives féminines et puis en créant une caisse de solidaire. Donc tout ça, ça fait partie de notre vision de développement du Fouta. Ici, passer à une économie secondaire, à une économie tertiaire, en essayant d'industrialiser donc nos produits locaux. Donc surtout, par exemple, l'agriculture, l'élevage, la pêche. Par exemple, on compte faire des usines de lait, des usines de transformation agroalimentaire. En même temps aussi, essayer de passer aux mutuelles de santé pour essayer de faire de l'assurance en milieu rural. Est-ce que vous allez travailler en partenariat avec les éleveurs dans le cadre d'une association, d'une coopérative, ou bien vous allez constituer des sociétés, des SARL ou des sociétés anonymes? Donc, concernant les usines de lait donc, que nous voulons faire dans la zone des fleuves, c'est essayer de capitaliser et puis avoir des répertoires donc des vaches laitières qui sont en milieu rural au niveau de la zone du Fouta, et essayer de sensibiliser au niveau des éleveurs en coopérative. Donc là, on va essayer de créer des centres de collecte de lait dans chaque sous-région et faire des coopératives au niveau régional. De là, donc, si l'usine va être créée, en ce moment-là, donc, nous allons faire des collectes au niveau donc de chaque coopérative villageoise, donc à partir desquelles donc nous avons essayé de faire un peu les produits, les laits frais, tout ce qui est fromage, tout ce qui est sous-produits laitiers. Donc, et nous essayons de parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de lait qui est jeté, donc ou bien qui n'a pas été utilisé donc par les éleveurs. Donc, c'est essayer de regrouper tous ces centres de collecte au niveau village et ville, donc des Fouta, et les transformer dans une seule unité donc de transformation laitière, et puis aussi employer aussi, former aussi des techniciens donc issus de la zone de village ou de ville de Fouta, pour en faire une grande usine, donc essayer de transformer donc ce lait en un autre sous-produit, en yaourt ou bien en produit frais comme dit tout à l'heure. Donc de là, il faut ouvrir donc un fundraising au niveau de la diaspora, au niveau des habitants de la zone de Fouta, de Saint-Gat, de la Mauritanie, et faire un capital. Donc et là, on va essayer de dispatcher des actions au niveau de la diaspora, au niveau de la zone des fleuves, pour en faire donc une usine. Donc chaque fois, donc il y aura un conseil d'administration qui va travailler sur la comptabilité, sur un peu les ressources humaines, et essayer de sortir donc un budget et voir donc le taux de rentabilité, et essayer de partager les dividendes entre les actionnaires. Et si les gens veulent revendre les actions ou bien veulent réinvestir dans le capital initial en ce moment-là, donc c'est un revolving, donc ça va revenir à chaque fois. Et puis ça nous permet aussi de délocaliser cette usine dans d'autres villages ou villes, centre urbain, donc au niveau de la zone de fleuve, au niveau de la montagne du Sénégal. Comment Foutadev peut intervenir afin qu'on puisse regrouper des terres souvent morcelées et constituer une force, notamment en termes d'agriculture? Le morcellement de terres, donc dans le langage agricole, on appelle ça le remembrement. Donc comment on peut essayer de voir avec les chefs de village et au niveau des mairies donc de certaines villes, regrouper donc des petites parcelles donc des propriétaires terriens et les mettre en une grande superficie donc agricole et les transformer donc en même temps emblaver. Donc supposons que nous voulons faire en 2017 tout ce qui est riz, donc là nous demandons aux propriétaires terriens de regrouper de remembrer leurs terres, en même temps d'en faire une grande exploitation agricole
et d'aller plus loin, même avec des machines agricoles, les transformer en sous-produits ou bien en les emballant et pour les revendre donc en cas de disette donc au niveau de cette zone. Donc pour cela, donc nous avons la politique de faire beaucoup de sensibilisation au niveau des villages et au niveau des villes pour essayer de comprendre qu'on ne peut pas développer l'agriculture avec des petites parcelles. Donc il faut remembrer pour avoir des grandes superficies. Donc et puis les voir avec nos techniciens agricoles, nos techniciens donc des agronomes pour voir dans quel cadre nous pouvons faire des cultures sur 12 mois au lieu de les faire sur 6 mois ou 4 mois. Donc, ça l'ambition un peu de foot développement, c'est essayer d'avoir d'exploiter la terre d'une façon pérenne sur les 12 mois en améliorant donc les semences en mettant de l'engrais ou moins d'engrais parce que nous avons quand même voulu faire une agriculture verte pour essayer de ne pas polluer donc l'eau et puis en même temps aussi pour enrichir les sols et puis faire ce qu'on appelle la rotation culturelle au niveau donc des légumineuses, des céréales et d'autres cultures fruitières. Donc c'est ça un peu ce que nous pensons donc pour améliorer donc la production locale. D'accord, Salma Amadou Bokar, avant de nous quitter, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette année 2016 pour le Fouta développement? Nous sommes projetez-vous à la date du 31 décembre 2016. Où en sera-t-on avec Fouta développement? Nous sommes en train d'adapter les nos textes, règlements intérieurs et statuts, les fiches d'adhésion et le logo. Donc au niveau national, au niveau donc de la Mauritanie du Sénégal. Donc actuellement, la section sénégalaise de Fouta-Dev et la section mauritanienne de Fouta-Dev ont déjà finalisé les textes. Donc ils vont donc le 13 donc août, on a fait une AG à Nouakchott. Donc les textes ont été finalisés. Ils ont déjà déposé le texte au niveau de l'arrondissement de 6e à Nouakchott pour passer donc à tout le processus d'obtention des récépissés. Donc pour ce faire, donc nous avons contacté les autorités locales en Mauritanie pour faciliter donc l'obtention de ces récépissés au niveau du Sénégal. Donc là, il est prévu le 1er octobre 2016 donc de faire une AG donc dans un site quand même assez connu à Dakar. Donc en ce moment-là, donc on va avaliser les textes, en même temps passer donc à l'obtention de récépissés. Pour ce faire, nous avons eu donc l'aval du ministre de l'Intérieur du Sénégal, M. Abdoulaye Daouda Diallo, donc qui a donné son feu vert pour essayer de faciliter l'obtention de récépissés. Donc dans le même volet d'idées, donc en ce moment aussi, nous sommes en train de préparer notre AG de foot développement au mois de décembre, probablement le 24 ou la fin décembre, pour avaler nos textes au niveau international et essayer aussi de faire une soirée de Baba Mal qui nous a donné donc son OK pour faire une nuit de gala, donc Fouta, avec les chanteurs de la zone des fleuves pour essayer de faire un fundraising encore pour avoir de la finance pour donc démarrer nos projets. Et donc pour ce faire, nous demandons à la presse internationale et à la presse locale donc de nous assister pour vulgariser cette information. Merci Salma Amadou Bokar. Chers internautes, vous êtes bien sur www.financialafrique.com, le journal de la finance africaine.